Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le jour de l'unité allemande, la fête nationale allemande. Le jour de l'unité allemande, en allemand Tag der Deutschen Einheit, est la fête nationale allemande. Elle est célébrée depuis 1990 au 3 octobre, jour de l'anniversaire de la réunification du pays, Wiedervereinigung, en allemand. En Allemagne de l'Ouest, de 1954 à 1990, appelé Tag der Deutschen Einheit, est célébré le 17 juin à l'Ouest, en souvenir des émeutes de 1953 à l'Est. À partir de 1963, cette fête était appelée le Jour national du souvenir du peuple allemand, Nationaler Gedenktag des Deutschen Volkes, en application d'une proclamation du président fédéral. Il y a peut-être d'autres fêtes en rapport avec ce jour, dont on n'a pas de signification. La République démocratique allemande institua en 1950 deux fêtes nationales. Le jour de la libération du peuple allemand du fascisme hitlérien, Tag der Befreiung des Deutschen Volkes vom Hitlers Faschismus, plus couramment appelé le jour de la libération, célébré le 8 mai afin de commémorer la capitulation sans condition de la Wehrmacht en 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le jour de la République, célébré le 7 octobre pour commémorer la fondation de la République en 1949. Le jour de la libération ne fut plus férié à partir de 1967 par compensation avec l'introduction de la semaine de 5 jours. Lors de la réunification, la date du 9 novembre fut proposée comme nouvelle fête nationale en souvenir de la chute du mur de Berlin, mais elle fut rejetée car c'était également la date anniversaire de la Nuit de Cristal en 1938 et celle de la chute de l'Empire en 1918. Le 3 octobre, date de la réunification, fut finalement choisi dans l'article 2 du traité de l'unification. C'est en Allemagne le seul jour férié établi par le droit fédéral. Tous les autres sont fixés par les droits régionaux.